Salut les filles et les garçons. J'ai une sacrée pêche aujourd'hui. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Et dommage que ça ne morde pas. Je vais devoir employer les grands moyens. Si avec ça j'attrape toujours rien, je hurle. Ouais, c'est vraiment pas ma journée. Je suis un pêcheur à la guigne. Autant vous raconter une histoire. Une histoire qui se termine en queue de poisson, bien sûr. Une histoire qui va vous démontrer qu'il peut être très dangereux de naviguer en eau trouble. Elle s'intitule « Un drôle d'asticot ». Bienvenue à bord, mon gros poisson. Vise-moi un peu cette bestiole. Hé, oncle Ned, est-ce que tu savais qu'on peut trouver des poissons et des algues à 10 ou 15 kilomètres de profondeur? Tu me fatigues, Randy. Oncle Ned! Mais tu as tout le temps le nez fourré dans tes bouquins, tiens. Il faut que tu fasses l'apprentissage de la vie. Ah ouais, en pêchant? Oui, tu dois apprendre à survivre et à lutter contre les dangers de la nature. Tu dois montrer à toutes ces bestioles que le patron, c'est toi. Oh. Arrête de te conduire comme une lavette. Allez, enlève l'hameçon, dépêche-toi. Mais c'est un tout petit poisson. À mon avis, on devrait le remettre dans l'eau. T'as vraiment rien dans le ventre. Il n'y a pas de place pour les faibles dans ce monde. T'as de la chance que je sois de bonne humeur. Allez, débarrasse-nous des ordures. On rentre. J'ai dit, débarrasse-nous des ordures! Oncle Ned, ralentis, j'ai peur! Attention! Tu as failli les tuer! Ça nous aurait fait du canard pour le dîner! Il y a de quoi nourrir une armée, oncle Ned. Une fois, j'en ai attrapé une centaine en moins d'une heure. J'ai battu mon record ce jour-là. Et tu les as tous mangés? Mangés? Non mais ça va pas la tête. Qu'est-ce que t'en as fait alors? Regarde, je vais te montrer. On peut pas les laisser ici? Oh, tu commences sérieusement à m'énerver, toi. A parmi dans l'eau. Ne sois pas stupide. L'important, c'est de leur montrer qui est le maître, mon garçon. Et puis, ce ne sont que des poissons. Tu en parles comme s'ils étaient humains. Peut-être qu'ils sont un peu comme nous. Peut-être que tout en bas, au fond de l'eau, ils ont un monde qui ressemble au nôtre. Tu sais quel est ton problème, toi? T'es tout le temps en train de lire. Au lieu de bouquiner, tu ferais mieux de regarder la vie en face. Et la vie, c'est comme une partie de pêche. C'est manger ou être mangé. Moi, c'est pas comme ça que j'imagine la vie. Un jour, tu verras que j'ai raison, petit. Allez, maintenant, va te coucher. Demain matin, nous nous levons à l'aube. Et je te montrerai un hameçon très spécial que j'ai fabriqué moi-même. Je l'appelle l'éventreur. C'est horrible comme nom. Allez, dors bien. Et interdiction de lire. L'une des espèces les plus extraordinaires des océans d'Amérique du Sud est le poisson chamioleur. Lorsqu'on le sort de l'eau, il se met à miauler. Waouh, génial! C'est toi, oncle Ned? Oncle Ned? Ça, c'est vraiment bizarre. Alors, ça a mordu hier? Ça, vous pouvez le dire.
J'ai dû laisser une cinquantaine de poissons sur le rivage. Sur le rivage? Mais pourquoi vous faites cette tête-là? On ne doit jamais prendre plus de poissons qu'on ne peut en manger. Eh ben moi, je pense autrement, et je n'ai pas besoin de vos conseils. J'ai fait un drôle de rêve la nuit dernière. Ce petit imbécile a vu un poisson-chat géant en pyjama. Je crois qu'il essayait de me dire quelque chose. Ça se peut, Randy. Les anciens prétendent que la nature communique constamment avec nous. Le vent fait bruisser les feuilles dans les arbres, le tonnerre gronde dans le ciel, et la tempête fait mugir la mer. Hé, ne commencez pas à lui mettre des idées stupides dans la tête. Déjà qu'il est un petit peu... Vite, enlevez-moi cette hameçon, vite! J'arrive, monsieur. Attention, ne bougez plus. Vous payez par chèque ou en liquide? Randy, qu'est-ce qui t'arrive encore? Allez, viens, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Amène-toi! À la prochaine! Je suis désolée, je... Montre-moi ta canne. Quoi? Il n'y a pas d'hameçon? Il est hors de question que tu rentres bredouille. Avec ça, au moins, t'es sûr d'en attraper. Lance ta ligne. Lance ta ligne! Oh, pas mal. T'es peut-être pas aussi empoté que t'en as l'air, après tout. Ça y est, t'en as attrapé un. Excellent, tu te débrouilles très bien. Il peut pas t'échapper. Avec mon hameçon spécial, l'éventreur, ses organes vont être déchirés. Mais, oncle Ned, c'est cruel. Hé là, pas si vite, le fil va casser. Arrête, Randy! Stop! Le fil va casser! Oh! Tu l'as fait exprès, espèce de sale morveux! Tu l'as fait exprès! À cause de toi, j'ai perdu mon hameçon spécial! Mais ce n'est que partie remise! Oh! Et arrête de sourire bêtement, Randy! Tu veux peut-être pas attraper des poissons, mais tu vas au moins en manger. Tu sais, oncle Ned, je suis sûr que les poissons sont comme nous et qu'hier soir, ils cherchaient à me parler. Oh, j'en ai marre de tes délires. Demain matin, à l'aube, nous retournerons là-bas. Mais... Inutile de discuter. Et à partir de maintenant, plus de lecture. C'est un ordre. Tu veux de la truite ou du saumon? Randy! Randy! Oh, le diable l'emporte. Je vais prendre du saumon fumé et, en entrée, un petit plateau de fruits de mer. Je te jure que tu vas attraper un poisson, même si on doit y passer toute la journée. Là, tu peux toujours courir. Et tu sais quoi? T'es pas un pêcheur. T'es un tueur. Attention à ce que tu dis, Randy. Tu ne penses qu'à tuer, ça me dégoûte. Et si tu continues, tu vas le payer cher. Fiche le camp. Hein? C'est pas un petit morveux comme toi qui va commencer à me faire la morale. Pourquoi pas? Je suis sûr d'avoir raison. Je t'ai assez entendu. Allez, va-t'en. Téléphone à tes parents et dis-leur de venir te chercher. Oncle Ned, il faut que tu m'écoutes. Non, disparais, tu ne seras jamais un homme. Oh, elle est belle, la nouvelle génération. Tiens, qu'est-ce que c'est? Il ne faut jamais laisser traîner son portefeuille, c'est risqué. Oh! Tu sais, oncle Gilles, peut-être que les humains qui vivent là-haut à la surface sont un petit peu comme nous. Tu as beaucoup trop d'imagination. Il faut que tu apprennes à faire face à la réalité. Est-ce que tu vas attraper d'autres humains aujourd'hui? Non, ce serait criminel. On ne doit jamais pêcher plus d'êtres humains qu'on ne peut en manger. Ça paraît logique.
Comme vous avez pu le voir, la pêche, ça conserve. Non ? Hein ? Ah, pauvre oncle Ned, c'était un drôle d'asticot. Au revoir, les amis Fourgiailles. On m'attend au festival de Cannes. À pêche, bien sûr. Ah, c'est un scandale. Je viens de faire réparer ma voiture et elle refuse de démarrer. Location de corbillard. Allô, j'aimerais louer un véhicule avec un cercueil capitonné bouffé au mythe et avec un autoradio branché sur fréquence outre-tombe et... Un instant, je me renseigne. Bon, eh bien, en attendant, je vais en profiter pour vous raconter une histoire terrifiante. Accrochez-vous à votre fauteuil, mes chéris, car cette histoire se déroule dans un lieu maléfique et monstrueux. Un lieu que chacun d'entre vous redoute plus que tout au monde. Un lieu qui peuple tous vos cauchemars. Je veux bien sûr parler de l'école. Cette histoire qui commence dans l'atelier de mécanique s'intitule « À fond la caisse ». T'inquiète pas, mon ange. Je te promets que ça ne sera pas douloureux. Ton moteur va ronronner comme un chat. Tu verras... Aïe Je suis vraiment désolé, Kevin. Je voudrais pas te dire, mon pote, mais la seule chose qui marche dans cette bagnole, c'est le klaxon. Ah, la seule chose qui marche, c'est le klaxon. Elle est bonne, Eddie. Si t'as besoin de pièces détachées, je peux t'en avoir à un prix défiant toute concurrence. Qu'est-ce que t'entends par là ? Qu'il faut pas être trop regardant sur leur provenance, idiot. Tu veux quand même pas dire des pièces volées. Cela dit, Kevin, vu l'état de ta bagnole, t'aurais plus vite fait de t'en payer une neuve. Je n'ai pas besoin de pièces détachées et encore moins de pièces détachées volées. Je vais entièrement la retaper et la recarrosser. Je vais en faire une voiture unique au monde. Une voiture unique au monde? Tu rêves? Tout est rouillé là-dedans. T'y mets un coup de pied et elle tombe en morceaux. C'est une véritable poubelle. Eddie, tu veux que je vérifie ton niveau d'huile? C'est juste un tas de ferraille et t'arriveras jamais à la faire rouler, Kevin. Tu y arriveras jamais. Alors, t'avances bien, Kevin? J'ai presque fini. Et tu seras prêt pour le grand jour? Le grand jour? Ah, ne me dis pas que t'as oublié. Hein? Tu dois courir contre moi. Jamais de la vie. Je n'ai pas passé tout ce temps à réparer cette voiture, rien que pour courir contre toi. Je sais pourquoi tu refuses de courir. Parce que ta bagnole a rien dans le ventre. Tiens. Hey! D'accord, Eddie. Je vais courir contre toi. Vas-y, Herman, contact. Elle est en parfait état, c'est génial. Tout bien considéré, elle est morte. Comment ça, morte? Viens voir. Il n'y a quasiment plus de freins, la boîte de vitesse est complètement naze et les amortisseurs sont détruits, tu vois ce que je veux dire? Comment on va s'en sortir, Eddie? On va procéder comme d'habitude, petite tête. J'ai peur qu'il y ait de la casse si quelqu'un prend le volant de cette voiture. Mais non, il n'y aura pas de casse. Arrête de baliser. Allez, viens, petite tête. On a du pain sur la planche. Attention! Vous n'êtes pas blessé, monsieur? Ah non, non, ça va. J'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Oh, mais je comprends rien. Ça alors ! Épidémie d'accidents provoqués par des casseurs de voitures. C'est nous ! Et ils ont examiné chacune des voitures et ils ont découvert qu'il leur manquait des pièces. Oh, on a eu de la chance que personne soit blessé. Est-ce qu'il est écrit qu'Eddie et Herman ont volé ces maudites pièces ? Bah non, c'est pas écrit. Alors arrête de me bassiner avec ça, tu veux bien ? Ouais, mais on pique plus rien, Eddie. D'accord ? Il ne nous manque plus qu'une pièce, petite
tête. Et je sais très exactement où on va la trouver. Mais magnifique, petite fille. Je crois que toi et moi, on est appelés à former une équipe du tonnerre. Apparemment, tu n'es pas encore complètement au point. Mais tout ça, c'est pas grave, ma jolie. Demain, nous allons lui donner une belle petite leçon à cet abruti d'Eddy. Bonne nuit, mon ange. Allez, viens, Herman, au boulot. T'es vraiment pas doué. Allez, mine-toi. On n'a pas toute la soirée. Eddy, voir, Eddy, quand on aura échangé la pièce, le moteur risque d'exploser. Ça pourrait être dangereux pour Kevin. Tu crois pas? Tant mieux, il m'a traité d'abruti. Donne-moi la clé. T'es sourd ou quoi? Donne-moi la clé. Ah, cette saleté a essayé de m'aveugler. Arrête, ça doit être un faux contact. Passe-moi cette clé. Demain, on va bien rigoler. Un petit effort, fais-moi plaisir. Allez, vas-y, mon bébé, montre-lui ce que tu as dans le ventre. J'ai enfin pris ma revanche sur ce crétin de Kevin. Ça se fête, je vais prendre un double cheeseburger avec une petite bière. Moi aussi. Dommage qu'il s'en soit sorti indemne, ouais. Ouais, mais console-toi, sa bagnole est morte. Il va être obligé de la retaper entièrement. La tête qu'il a fait en voyant sa voiture détruite. On aurait dit qu'il venait de perdre sa petite amie. Le pauvre bichon. Mais qu'est-ce que... Et comment il a fait pour... Ah, j'en sais rien, je veux pas le savoir. Apparemment, il n'a pas compris la leçon. Il va falloir utiliser des arguments un peu plus frappants. Où est-il? C'est peut-être une blague, Eddy. Ah ouais? Eh bien, rira bien qui rira le dernier. Allez, monte. Hé hey. Non. Mais qu'est-ce que... Mais... Eddy. Mais... Kevin! On va se payer le mur! Kevin, au secours! Oh non! Elles veulent nous tuer! Aidez-nous, je vous en supplie! Aidez-nous! C'est nous qui avons volé les pièces! C'est nous les responsables! C'est nous les coupables! Et c'est à cause de nous qu'il y a eu tous ces accidents! Sauvez-nous, monsieur l'agent! Les deux voleurs se livrent à la police! Ma voiture d'avant était magnifique! Mais toi, tu vas être encore plus belle! J'ai pu récupérer tout un tas de pièces détachées sur sa pauvre carcasse.
Toi et moi, on va former une équipe du tonnerre. Eddie et Herman ont joué de malchance. On ne peut pas dire que ça ait roulé pour eux. Certains dérapages ne pardonnent pas. Heureusement qu'ils ont été mis hors d'état de nuire, sinon Dieu sait ce qu'ils auraient encore fait. Ça devient de plus en plus difficile de louer un véhicule. J'abandonne. Je crois que je vais aller faire un tour au cimetière de voitures pour y déterrer une occasion. Peut-être bien que je trouverai une super automobile comme celle qui a failli conduire à la folie ces deux petits sacripants. À bientôt, les amis, et respectez les limitations de vitesse. Ha 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 ha!